Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Steam sur PC. Ok, pour l'utiliser, c'est facile. Premièrement, vous devez télécharger Steam. Ok, vous devez partir sur cette site de Steam. Ok, le voici, cette site Steam. Vous devez installer l'application Steam. Ok, voici Steam, site officiel de Steam. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton pour l'installer. Après avoir l'installé, vous devez la lancer. Vous devez la lancer, créer votre compte et nous voici dans Steam. Ok, donc pour utiliser Steam, c'est facile. Ok, maintenant on est dans Store. Comme vous pouvez le constater, on est dans Store. Ça veut dire on est dans les jeux, donc dans l'endroit des jeux. Donc ici vous pouvez voir tous vos jeux. Vous pouvez voir tous les jeux que vous pouvez jouer, donc tous les jeux Steam. Ok, donc si on défile un peu en bas. Vous pouvez constater il y a plus de jeux. Ok, vous pouvez également faire la recherche des jeux ici. Vous pouvez cliquer ici pour faire la recherche des jeux. Ok, et il y a aussi les jeux gratuits. Ok, donc si vous partez sur la section catégorie, voici la section catégorie, il y a plusieurs catégories de jeux. Ok, un peu comme les jeux adventure, les jeux de simulation. Ici, vous pouvez aussi constater qu'il y a aussi free to play, donc les jeux gratuits à jouer. Ok, donc si vous cliquez sur jeux gratuits qui est free to play, que c'est en télécharger. Ici, c'est en télécharger. Ok, voici la section jeux gratuits. Ok, voici dans la section jeux gratuits. Voici tous les jeux que vous pouvez jouer gratuitement. Okay. Vous pouvez jouer tous ces jeux gratuitement. Donc ici vous pouvez également choisir si c'est les jeux d'action ou adventure. Ok, donc vous pouvez choisir. Ici vous pouvez également jouer tous ces jeux gratuitement. Ok, cette deuxième section c'est votre librairie. Donc si vous cliquez sur vos librairies ici, vous allez trouver tous les jeux que vous avez joué. Ok, par exemple cette jeu PUBG, j'ai essayé de télécharger cette jeu, c'est pour ça que ça s'affiche ici. Et voici tous les jeux que j'ai essayé de jouer. Dans la section librairie, vous pouvez trouver tous vos jeux. Ok. À la communauté, il y a aussi section communauté, là où les gens discutent, ou là où les gens parlent de certains jeux. Ok, voici la section communauté qui est téléchargée. Ok, voici. C'est la section communauté. Les gens parlent. Vous pouvez aussi répondre à cette discussion. Okay, voici section communauté. Ok, ici section profil. Dans la section profil, vous pouvez également trouver vos activités, vos profils, vos amis. Ok, vos amis, si vous cliquez sur vos amis, vous allez trouver toutes vos amis sur Steam. Okay, vous pouvez également rechercher une amie sur Steam. Vous les voici, si vous cliquez sur search friends by name ou rechercher des amis par nom ou game, vous mettez le nom de vos amis ici et rechercher. Et ensuite vous pouvez ajouter sur add a friend. Ok, cliquez sur add a friend, vous allez ajouter une de vos amis qui est aussi sur Steam. Ok, donc il y a store, là où vous allez trouver tous les jeux Steam. À la section catégorie, vous pouvez trouver les jeux gratuits pour jouer. Ok,
Okay. Librairie, vous pouvez trouver tous vos jeux que vous avez joués, la communauté, vous allez trouver toutes les communautés de Steam. Il y a aussi Market, donc là vous pouvez acheter des jeux Steam. Dans le voici, la section profil, vous pouvez trouver vos activités, vos profils, vos amis, vos groupes et tout. Donc, si cette vidéo a été utile, n'oubliez pas de liker et aussi abonner à la chaîne.